Abreuvre les amis, c'est Super Nitro et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Et oui, ça fait très longtemps que j'avais pas sorti de vidéo, mais maintenant c'est le cas aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer une technique pour jouer à Minecraft gratuitement sur PC sans payer du coup. Et non, ce n'est pas fait, que vous allez voir, ça marche pour de vrai. Donc voilà. Donc du coup la première étape. Là, vous allez ouvrir votre navigateur. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être Google Chrome, on s'en fout. Du coup, vous allez sur votre navigateur. Maintenant que vous êtes sur votre navigateur, vous allez prendre ce lien. Vous allez aller à ce lien. Je vais le mettre en description, ne vous inquiétez pas. Voilà, maintenant que vous êtes sur ce site-là Internet, vous devez cliquer sur Download TL. C'est pour du coup télécharger le launcher. Et maintenant, vous atterrissez sur cette petite fenêtre et en fonction de votre plateforme, vous devez choisir soit Windows si vous êtes sur Windows, soit Apple si vous êtes sur un Mac ou Linux si vous êtes sur Linux. Moi personnellement, je suis sur Windows, donc je vais prendre Windows. Du coup, vous allez cliquer sur Windows ou les autres et maintenant le téléchargement ici va commencer. Voilà, donc là c'est téléchargé, désolé, la fenêtre d'antivirus. Ok, maintenant que c'est téléchargé, vous cliquez ici, cliquez sur afficher dans le dossier, et vous avez enlevé sans cliquer sur les X. Je résure la fenêtre de mon navigateur. Et maintenant, vous avez l'installateur du launcher pour pouvoir jouer à Minecraft. Voilà, donc le met bien au milieu pour que vous puissiez le voir. Maintenant, vous allez l'ouvrir. Ouais, donc là vous allez arriver sur le setup pour télécharger le launcher. Donc cliquez sur continue. Maintenant vous faites j'accepte les termes de licence agréable. De toute façon on s'en fout, c'est toujours la même chose pour ce genre de choses là, les termes d'utilisation du logiciel. Et maintenant vous allez cliquer sur continue et ça va vous être installé. Et voilà, c'est téléchargé. Maintenant décochez ça parce que ça va le lancer. Et créer ta shortcut de desktop, vous pouvez le laisser. Continue. Et voilà. Et là, après, on vous dit merci d'avoir choisi Team Launcher. Allez sur notre site. Bon, on s'en fout. Cliquez sur Complete. Et c'est bon. Vous avez le launcher qui est apparu juste ici. Alors, moi, personnellement, j'avais déjà. Voilà, il est juste ici. Mais du coup, je vais montrer. Qu'est-ce que vous devez faire si vous venez tout juste d'Alt Charles. Donc là, vous allez l'ouvrir. Et maintenant, après que ce soit donc ouvert, vous devez vous connecter à votre compte. Alors moi, c'est déjà connecté, sauf que je vais du coup me déconnecter. Et je vais laisser optimiser. Bon, voilà. Donc ça, c'est à ça que ressemble le launcher. Bon, maintenant, pour pouvoir... Maintenant, je vais vous montrer comment vous créez un compte. Parce qu'en fait, du coup, la vidéo sera divisée en plusieurs parties. Bah, ça, je vais faire plusieurs vidéos. Pour les différentes étapes, là, la première vidéo, c'est pour montrer comment du coup jouer à Minecraft des jeux comme ça. Donc là, pour l'instant, vous n'avez pas besoin de vous mettre de compte. Hein, je vais vous montrer dans une autre vidéo. Donc là, vous mettez un nom d'utilisateur. De toute façon, je vais vous montrer comment avoir un compte la prochaine fois. Hein, Super Nitro. Vous choisissez votre version. Il y a plein de versions. Ben, en fait, il y a toutes les versions là. Voilà, vous pouvez aussi jouer à la 1.15, évidemment. En 1.15, il n'y a toujours pas les trucs de skin, mais bon, ça on s'en fout. Ok, du coup, moi, je vais prendre Forge Optifine 1.14.4. Non, non. On va prendre la version 1.15. Voilà. Et vous cliquez sur Installer. Voilà. Et là, vous attendez que ça télécharge. Heureux. Ok, donc le téléchargement a presque terminé, c'est rendu à 93%. Voilà, on attend encore un peu. Et normalement, c'est prêt. Voilà. Voilà, ça bloque à 99%. Voilà, ça s'allume. Et là, voilà. Et ça va marcher. Vous pourrez jouer à Minecraft. Du coup. Voilà, du coup, le jeu s'allume. Vous attendez. Re
Alors j'ai eu quelques petits problèmes pour allumer Minecraft, hein. Ben, là comme vous pouvez le voir on est sur le menu, mais j'ai eu quelques petits problèmes pour allumer Minecraft, c'est-à-dire que à chaque fois que j'allais sur le jeu et que je lançais le logiciel de Geekord, mon jeu plantait, sans raison. Et j'ai regardé la vidéo d'un petit youtubeur pas très connu qui a résolu le problème, c'est un problème de compatibilité avec ma version de Windows. Et maintenant ça fonctionne, je peux enfin Geekord Minecraft. Et d'autres jeux aussi. Je mettrai le lien de sa chaîne en description parce que vraiment c'est incroyable quoi, il m'a bien aidé. Donc comme vous pouvez le voir du coup comme je sais, ça fonctionne parfaitement. Hein. Vous pouvez créer une partie, jouer. Ça marche nickel. Voilà, et du coup, comme vous pouvez le constater, ça fonctionne nickel. Bon, alors j'ai peut-être des petits problèmes de FPS là, mais je crois que c'est normal. Mais bon, en tout cas, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de contenu et à lâcher un petit pouce bleu si ce tuto t'a bien aidé. Donc, si vous voulez d'autres parties de ce tuto, parce qu'après je vous montrerai comment avoir un skin comme que j'ai en ce moment et comment aussi mettre des mods et des textures pack, hein, eh bien, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et je ferai peut-être d'autres tutos. Merci beaucoup et enjoy!